César 2018, Danny Bonne très ému devant l'hommage que lui a rendu Lynn Renault. Danny Bonne a reçu, ce vendredi 2 mars, lors de la 43e cérémonie des Césars, le César du public. C'est Lynn Renault qui lui a remis ce prix, et l'acteur a été très ému, lorsque la comédienne lui a rendu hommage. Très touchante séquence ce vendredi 2 mars lors de la cérémonie des Césars. Danny Bonne a reçu un nouveau César, le César du public, pour le film Red Ding. À sa grande surprise, c'est Lynn Renault qui lui a remis ce prix. Juste avant, la comédienne lui a rendu un touchant hommage, et le comédien a eu du mal à retenir ses larmes. Lynn Renault, actuellement à l'affiche de la Ch'tite Famille avec Danny Bonne, lui a tendrement lancé « Bravo. Toutes mes félicitations. Je suis très heureuse pour toi. Je suis très fière de toi. C'est un privilège ce soir, de te remettre ce tout premier César du public. C'est un César qui compte, parce que, enfin pour moi, le public a souvent raison. Danny, tu le mérites vraiment parce que tu es un artiste exceptionnel. J'ai travaillé avec toi 3 fois maintenant, donc je sais de quoi je parle. Tu mérites ce prix et je voudrais qu'ensemble, on t'applaudisse très fort. » Record. Sorti le mercredi 28 février en salle, le film La Ch'tite Famille a réalisé un démarrage record. Plus de 450 000 entrées ont été enregistrées pour les premières 24 heures de diffusion, a dévoilé BFM TV. Malheureusement, le record n'a pas encore été battu puisqu'il est de 558 000 entrées pour le film. Bienvenue chez les Ch'tis, César 2018, Danny Bonne très ému devant l'hommage que lui a rendu Lynn Renault. Danny Bonne a reçu, ce vendredi 2 mars, lors de la 43e cérémonie des Césars, le César du public. C'est Lynn Renault qui lui a remis ce prix, et l'acteur a été très ému, lorsque la comédienne lui a rendu hommage. Très touchante séquence ce vendredi 2 mars lors de la cérémonie des Césars. Danny Bonne a reçu un nouveau César, le César du public, pour le film Red Ding. À sa grande surprise, c'est Lynn Renault qui lui a remis ce prix. Juste avant, la comédienne lui a rendu un touchant hommage, et le comédien a eu du mal à retenir ses larmes. Lynn Renault, actuellement à l'affiche de la Ch'tite Famille avec Danny Bonne, lui a tendrement lancé « Bravo. Toutes mes félicitations. Je suis très heureuse pour toi. Je suis très fière de toi. C'est un privilège ce soir, de te remettre ce tout premier César du public. C'est un César qui compte, parce que, enfin pour moi, le public a souvent raison. » Danny, tu le mérites vraiment parce que tu es un artiste exceptionnel. J'ai travaillé avec toi 3 fois maintenant, donc je sais de quoi je parle. Tu mérites ce prix et je voudrais qu'ensemble, on t'applaudisse très fort. » Record. Sorti le mercredi 28 février en salle, le film La Ch'tite Famille a réalisé un démarrage record. Plus de 450 000 entrées ont été enregistrées pour les premières 24 heures de diffusion, a dévoilé BFM TV. Malheureusement, le record n'a pas encore été battu puisqu'il est de 558 000 entrées pour le film. Bienvenue chez les Ch'tis.